Liège. Ralentissement aussi sur la nationale 5 Charleroi-Couvain. Vous perdez une quinzaine de minutes à partir de Lorval en direction de Couvain. Ça coince dans les autres chantiers en Wallonie. Vous perdez entre 5 et 10 minutes. Et puis sur le ring de la capitale, des fils signalés en circulation intérieure.
site de Pure. Alors les fêtes de Wallonie, ça se passe aussi à Namur, avec du humour aussi, hein, puisque Soul fête ses 10 ans. Je vous passe un petit morceau de Soul, hein. Hop. Vendredi 21 septembre, jackpot exceptionnel de 130 millions d'euros. Dans un instant, il y aura Logic. D'abord, voici le rappel des titres, 8h30, avec Lucie Armand. Bonjour Lucie. Bonjour. Ne plus discriminer les personnes qui ont été atteintes du cancer, c'est ce que réclament notamment Testacha et l'association contre le cancer. Jusqu'ici, les patients guéris n'ont plus droit. Pose ta tête sur mon épaule, petit. On continue de lire vos messages. Avant l'expression de ma vie qui arrive dans quelques instants, on vous pose cette question. En effet, la peste est de retour. Elle fait son comeback, tout comme la chanteuse Nadia. Mais bon, avec un peu de chance, la peste devrait nous atteindre en premier. La peste noire au XIVe siècle, pour rappel, c'était 50 millions de morts à travers le monde en 5 ans, dont 20 millions de morts en Europe, soit une personne emportée sur 3 de la population à l'époque. Une catastrophe pour tous, francophones, ou voire non alphabétisés. Alors la question fait souvent débat, elle est souvent dans l'actualité, est-ce qu'on peut parler de racisme anti-blanc ? Alors quand on parle de racisme en tant que système global, donc de domination, eh bien non, cela ne veut pas dire qu'il n'existe aucune manifestation. L'Apollo est équipé de série du détecteur de climat. Et l'eau qui me recule dessus. Regarde, il me recule dessus, si je restais là, il me prendrait tort. Allez, avance, on va y aller. Oui, effectivement, le 14 Luxembourg, Namur, entre Stirpenich et Arlon, il y a un chantier dans les deux directions, vers Namur, tout se passe bien, mais vers le Luxembourg, vous le savez, maintenant, ça coince sur 13 km. Francophone dans cette rentrée universitaire, on va parler de la précarité des étudiants, mais aussi d'une certaine attitude des banques vis-à-vis de cette précarité. A tout de suite. 6h, 8h. Matin première. Christophe croque dans un Carolina Reaper. Le piment le plus fort au monde. C'est ce que nous appelons prendre un risque culinaire. Heureusement, Christophe est plus avisé sur le plan financier. Car pour son patrimoine, il fait confiance à Capital Adjoint l'assurance auto. Je cherche en ligne. Oh, mauvaise connexion et trop d'informations. Oh, un simulateur. Date d'immatriculation. Sans ces questions. Oh, c'est énervant. Je perds mon temps. Allez, ciao simulation. J'ai une meilleure idée. J'appelle les AP. Véronique des AP Assurance, bonjour. Ouf, une vraie personne. La Golf est équipée de série du détecteur de fatigue, un système d'aide à la conduite de Volkswagen qui analyse votre comportement. Mais pas les gens, ou alors pas des microbes, même pas. Mais vous attendez quoi alors pour partager votre mobilité? Aujourd'hui, vous pouvez choisir covoiturage, car sharing, bike sharing, transport en commun, parce que garder une voiture pour soi. Un projet diversement apprécié par les chefs d'État de gouvernement, Sandro Calderon. Le président de la Commission a présenté son idée lors de son discours sur l'état de l'Union la semaine dernière. Il veut renforcer le mandat de Frontex, l'agence européenne de garde frontières. Jean-Claude Juncker voudrait que l'agence puisse intervenir aux frontières extérieures de l'Union. Ma maîtresse. Ça vous fait quoi de savoir que Jean Van Am peut se traduire par Yann Yambon? On va parler des ports, Walid. PORC, bien sûr.
avec 9 pays, donc maintenant S, oui, en l'occurrence, il y en a 6 millions en Flandre, donc on peut mettre quelques S, effectivement. Ces pays de Mais je peux vous dire une chose, c'est que quand vous êtes avec nous, ça ne vous arrive jamais. Ah, mais ça dure qu'une heure et demie. Oui, oui, ça ne vous arrive jamais. Non, ça a lien avec la morosité. Ah, on n'est pas très loin. La morosité, une mauvaise journée. Un employé sur quatre passe au moins une.